فيئة من الشعب تستعمل شعارات بدون إتقان معانيها. إيطا سيفيل معناه حالة مدنية. عندما تقول إيطا سيفيل نون ميليتير كأنك تقول حالة مدنية ماشي عسكرية، وليست دولة مدنية، لأن سياسيا هذا المصطلح ليس له أي معنى. من يريد حالة مدنية فليذهب إلى البلدية وستعطى له مجانا رغم البيروقراطية. الشعار الذي يقول يسقط النظام والدولة ولد الحرام، ما معنى الدولة؟ الدولة مكونة من شعب، وطن، حدود، مؤسسات و وعندما مواطن يقول أن الدولة ولد الحرام، معناه هو كذلك ولد الحرام، وكل شيء هذا بالبيان. وهذا يدل أن العديد من الجزائريين ليس لهم نضج سياسي ولا يشعرون بما يقولون، غير باع وتبع. وهذا أيضا غير غريب عندما صحافي أمدرح ودبلوماسي مدغول يسمع لهم صمت وبكم، وهذا راجع لكثرة قطعان الأغنام. وأنا لا أريد جزائر جديدة مكونة من أغنام وخرفان تقودها الرعيان، رعيان بمعناه الازدرائي. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, hitma kuntum, et bien entendu, Azul. Chronique en français de Jamal B. dit Sidéral. Titre d'aujourd'hui, manifeste, pas aussi évident que ça pour certains. J'en ai déjà parlé il y a à peu près un an. Un état civil, du point de vue politique, n'a aucun sens. Je dirais même plus, il n'existe pas. Un état civil en arabe dans le texte, cela se traduit par hala madaniya. Donc, pour obtenir un état civil, pas besoin de manifester. Il suffit d'aller à la mairie la plus proche et le demander. Et c'est gratuit de surcroît, malgré la bureaucratie. Pour revenir à l'état d'une nation, cet état est composé de son peuple, de son histoire, de son territoire, de ses frontières et de toutes ses institutions. Ces institutions qui sont la moelle épinière de cette nation, qui représente le peuple et bien entendu le gère. Et qu'on le veuille ou pas,
Et parmi toutes ces institutions, il y a celle qu'on appelle militaire. Et sans elle, cette institution militaire, le pays deviendrait le café mort du coin de l'oncle Mouais, qui, bien entendu, fera faillite, car n'importe qui vient, boit et part sans payer jusqu'à la fin des réserves de la mémoire. قهوة عمي موح اشرب ما تخلص وروح حتى يستعمروك الفتوح. Non mais sérieux. Pour revenir au sérieux. Pour aspirer à une Algérie nouvelle, un minimum de maturité politique est nécessaire. Cette maturité aujourd'hui est encore en gestation, certes. Espérons qu'elle saura, une fois totalement conçue, espérons qu'elle saura comprendre les slogans qu'elle brandit, sans écouter béatement les marchands de rêves, comme cela fut il n'y a pas si longtemps, pas plus loin qu'hier, comme compter jusqu'à 90. Où l'Algérie a vécu le cauchemar des barbus en camis, portant et usant de leurs lames aiguisées et Kalachnikov comme chapelet et leur tuerie comme rituel surérogatoire autoproclamé que le régime de l'époque a halalisé, a rendu licite. Et malgré ça, elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie, cette Algérie, son peuple aussi, mais pour certains, par contre pour d'autres, une majorité, hélas, cette majorité s'en est sortie juste pour le prolonger, le cauchemar, en buvant aujourd'hui goulûment, comme la pisse de chameau, les paroles du premier charlatan religieux venu. En buvant goulûment les paroles d'une véritable petite frappe devenue journaliste falsifiée, et le pire, qui l'a été acceptée en tant que telle, non pas en tant que petite frappe, mais en tant que journaliste falsifiée. En buvant goulûment les paroles d'un ex-diplomate, traître en vérité, en buvant goulûment les paroles sous forme de discours populiste d'un système toujours méprisant parolé qui aime manipuler toutes ces gens, car connaissant leur mentalité mercantile et vénale, y compris une bonne partie du peuple, hélas, encore. Mimouna connaît Dieu et Dieu connaît Mimouna. Mimouna ta'arf Rabbi wa Rabbi ya'arf Mimouna. C'était la véritable foi selon nos anciennes traditions et croyances. Hélas, et encore hélas, ça ne l'est plus aujourd'hui. Quant au régime, il a encore de beaux jours devant lui, puisqu'il sait qu'il sommeille en chacun de nous, dans la mesure où c'est lui qui nous a enfantés en formatant nos mentalités actuelles. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillons-nous. Il est temps que les tapis redeviennent de simples descentes de lit pour le confort de nos pieds et qu'à l'issue de notre réveil, que nos mains bâtissent ce que notre esprit a rêvé,
bannissant ainsi la chape de plomb attribuée en apnée à Dieu, qu'on nous impose pour asphyxier nos vies. Un véritable slogan. Un véritable slogan ne doit pas être une ineptie qu'on scande sans savoir qu'elle l'est. Un véritable slogan ne doit pas être une prière basée sur comme il a dit lui. Un véritable slogan ne doit pas être un blasphème où Dieu n'est pas concerné ou absent. Un véritable slogan ne doit pas être une insulte qui fera partager les torts à la raison quand elle avait plein droit acquis au début du conflit. Le slogan est le condensé, le résumé, le reflet de nos véritables intentions. S'il n'est pas maîtrisé, le slogan, s'il n'est pas maîtrisé, le slogan, cela signifie qu'on n'est pas prêt politiquement pour revendiquer. Manifeste est mon propos, non? Salam alaikum, bonne journée, bonsoir, et bien entendu, ten mère. Au revoir.